Tieno qui s'en est sorti, qui va encore jouer long sur Pieroni. C'est bien dévié pour Bezaz. Voilà un ballon intéressant pour Yacine Bezaz qui va décider de frapper. Oh, ça va passer dessus avec une trajectoire de balle étonnante et un tir intéressant. Il s'est peut-être un tout petit peu précipité. Oui, le long ballon de Tiene, la déviation de Pieroni. Et on voit ici Bezaz frapper de l'extérieur du pied gauche. Il aurait peut-être pu y aller un peu plus et percuter parce qu'il n'était pas loin de la surface de réparation. Ça faisait un peu loin quand même pour surprendre Ryu. Sur le côté droit avec Mater, le centre de Mater, fort devant le but. Oh, c'est raté, c'est logique sur ce qu'on a vu. Voilà un ballon qui sur la droite peut être intéressant. Et Ducourtou va retourner jouer avec Mater, le centre quand même de Ducourtou, ça c'était intéressant. Avec Bezaz, la remise de Bezaz en retrait, c'est bien joué et ça passe à côté. Voilà, grosse occasion de ce match enfin. Elle était belle, elle était pour Valenciennes. Oui, avec le bon centre de Ducourtou, Saez qui loupe sa reprise de la tête, Bezaz qui remet tout de suite du pied gauche et Pieroni qui veut assurer de l'intérieur. Bezaz qui va jouer à droite, Ducourtou pour un bon centre, la reprise de la tête, le ballon qui est dévié par un Auxerrois pour un corner. Et bien avec Sebo et Pujol qui sont bien placés, ils sont à 2 contre 1. Ils sont à 2 contre 1. Pujol qui n'a pas pu servir Sebo. Et finalement Pujol qui peut quand même donner le ballon, ça va passer. Un ras du poteau, la panique totale dans la défense auxerroise et le contre qui aurait pu être beaucoup plus dangereux. Oui, mais c'est bien ce qu'a fait Philippe Galt qui donne le ballon aux Valenciennois, ça va les soulager. Ils sont accrocheurs les Valenciennois, c'est Bezaz là qui se bat. Pas de faute. Encore quelques secondes, Pujol, le dernier contre, tout dernier contre cette fois-ci. Et ils n'ont pas trouvé de solution pour le jouer, peut-être ici.